Bonjour à toutes et à tous, ici Rekai et on se retrouve sur Total War Warhammer 2 pour la suite du let's play avec les toujours les hommes lézards. Hein. Donc je suis à un tour de finir de le rituel. Hein. Donc j'ai mis Mazamundi ici. Je pense que je vais laisser Mazamundi en garnison ici pour encaisser toutes les attaques qui viennent du nord. Il y aura une garnison ici, une autre à l'ouest, une que je vais laisser au sud, qui développera ici. Et une cinquième qui sera par là. Je développe un peu les pierres flottants et tout, histoire de pouvoir avoir un peu d'économie. Pas trop puer la honte non plus. Ouais, je vais essayer d'aller coloniser l'île du crâne carmin et de coloniser ici, histoire d'avoir le contrôle de la côte là. Les verts, défenseurs de grand dessin, ils pourront pas me déclarer la guerre parce qu'ils sont vassaux. Donc tant qu'ils seront vassaux, ils peuvent pas prendre l'initiative de me déclarer des guerres. Et vu que leur seigneur est emmerdé à faire autre chose, ils vont me foutre la paix. Donc je serai tranquille pendant un petit moment. Ils serviront de très très bons tampons au final. Les noyés, bon bah ils se tapent toujours contre Morati. Paladin maudit. Alors, c'est trop chou qui vole, je sais même pas ce que c'est exactement en fait. The Cosmos engine was activated as the plaques foretold. But it was not brute force alone that turned the gears. Knowledge was the spark of ignition. Ignorance is a chasm. Knowledge is the bridge that will deliver us from peril. Second rituel terminé. J'ai recherché cette technologie-là. Donc du coup, ce qu'on va faire, cette recherche là. Et alors les skinks se mêlent au battement des tambours et au rugissement des ailes en créatures. Et les slans lèvent leurs yeux lourds pour scruter les cieux. Là, elles devinent des signes que le monde se rapproche un peu plus du grand dessin des anciens. Et ces rituels de protection pour corriger les failles du grand texte ouvrent un chemin à suivre. Ah! Hache découverte! On va explorer ces îles, l'île du crâne carmin. Cripiote caché, parfait. Du coup. J'ai pas assez sur plus de population en plus, c'est dommage. Je sais pas pourquoi faire grand chose, hein. Moins 2 pourquoi? Oh, que des taxes. Oh, les pauvres petits. Ils se plaignent. C'est quelque chose, il n'y a pas assez d'argent qui rentre dans mes caisses. Après, ils se plaignent que je leur casse la gueule. Fébité basse, bon. Putain. Peut-être que lorsque ma fébité sera meilleure, ben. On pourra se taper dessus. Lord of fear, armored in faith. Whether chivalrous or not, I will strike you down, scum. No. Siren of the storm. Prepare to have your heart. Moi tant pis.
Je trouve les gens qui nous aiment pas trop. The goddess wills it. Reptiles and serpents share ancestry. Yes. Parfait. Non, tant pis, parce que je suis pas fiable, c'est pour ça. Clan Scrap, glad to be wearing this suit, shield from your reptile. On va attendre tranquillement le temps de pouvoir continuer à renforcer l'économie. Ça me tient encore une épave ici. Il y a tellement de trucs à aller chercher dans la mer. Un gros avantage, ça. On va pouvoir piller les mers. Donc là, il faisait Port Royal et continue à faire du pillage. Mais le trésor, 1000 pour moi, c'est pas la mettre au trésor. 1000, c'est déjà pas mal. Surtout que si on peut développer un peu l'économie. Des skins, je sais, c'est la base, et bon, au moins ça peut rapporter du pognon. Là, qu'est-ce qu'on va construire? Y a pas de lagostarin toute la région? Chelou ça. On va tranquillement piller. Hein. Et le crâne karma, je pense que je vais la coloniser. Mais bon, je vais prendre mon temps. Je sais qu'il y a un truc de vampire plus loin au sud, mais bon. On va occuper. Je pense que le sud de Cordillère pourra être le sud maximum de mon domaine. Le Shabbat là. Les rois et tombes, ils ont eu des problèmes. Tant mieux. On a fait le pour eux, ils m'ont déclaré la guerre depuis le début. Je l'ai jamais vu approcher. Alors, vous ici. Fouillez les ruines. Sigme est saoulante. Honnêtement, c'est Sigme est saoulante. Par contre, ça va, on se tourne le surplus. Dès qu'il restera plus que 2 tours, plateau des portes écroulées. Ah bah oui, vous allez occuper. Et après on va se faire celle-ci. Baisse des profondeurs, bon bah tant pis. Je préfère gagner 1000 que de perdre toute une armée, hein, parce que je sais très bien que je risquerai de perdre mon armée.
Genre d'événement, t'affrontes une énorme armée qui est taille 20. Culte du plaisir. Le problème, c'est que le culte du plaisir, il se prend tellement de branlées, il a du mal à se stabiliser. Moi, ça m'arrange, hein. Alors, eux, là, les noyés, est-ce que je pourrais pas se négocier? Ouh, les Exénéhec! Les rois des tombes, quand ça va approcher? On risque d'avoir une frontière avec les rois des tombes. S'ils ont arrêté de me foutre la paix, moi ça m'arrange. Alors eux, je sais pas ce qu'ils font. Reste la position, Nagaron. Alors toi. Tu vas faire un truc là-bas. Vous ici. Va coloniser l'île du crâne carmin. On peut construire un truc ici. Suis toujours bas, hein. Pas encore. Bon. Bon. Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Très bien. Les gars, on peut pas foutre la paix. On peut arrêter cette guerre. Toi, greffe. When Loic dances, so shall I. Approach me if you must. I make no promises about drawing. Who seeks me? Only a fool underestimates his adversary. I am no fool. At your service. Bring me never. You come to speak to the voice of the vengeful. Déjà, ces vampires. Elle est étendue. Bon, bah, c'est pas grave, moi je m'en fous, ce que je vais faire, c'est que je vais me renforcer. La seule chose que je vais faire, c'est renforcer toujours, construire plus de bâtiments, accueillir plus de pognon. Pas la peine d'étendre plus l'Empire, hein. Le but c'est surtout d'utiliser du pognon pour construire des bâtiments, accumuler des tablettes. Où êtes-vous là, Honor, là? Le grand hiérophante. Ça me plaît pas du tout l'armée du grand hiérophante. Il y a quand même trois héros hein, son armée. Hein. Le problème d'une armée des rois des tombes, c'est que si on tue le chef, toute l'armée s'écroule. En général, la stratégie, c'est quoi? C'est on rush le chef comme des connards, on prend tous les coups dans la tronche, mais c'est pas grave, on rush le chef. Mais là, le problème, si je rush le chef, il y en a encore deux à battre! Le clan mort, ça fait son rituel d'opposition. C'est bien, moi j'ai fini pour un petit moment hein, le rituel.
Rien de toi. Coffre rempli de cartes, parfait. Là, je pense que l'armée ici, en fait, je vais la ramener plutôt vers la pyramide flottante de manière à pouvoir. Au cas où les peaux vertes rappliqueraient. Ici, par contre, on va construire des défenses. Dès qu'on aura une. Et tout à l'heure, il y aura des défenses qui seront bâties ici, je vous assure. On va aller ici. Ça, on se. Oh! Oh, ça me plaît! J'ai un interdit, il y a un site à parchemin. Alors, ici, c'est les débilos. Et je vais arrêter l'épisode là pour aujourd'hui. Faut non, je continue de faire peut-être un ou deux tours pour vous montrer. Vous voyez qu'il y a des phases qui sont pas fascinantes du tout, hein, genre la phase où je suis là, en mode, je construis, je construis, je construis. Là, par contre, quoi, que le scaven progresse dans les marais. Là, on va voir les rois et tombes qui vont faire un petit. Oh, l'île mystérieuse qui vient d'apparaître. La petite mystérieuse. J'aime pas ça, je sens le rush de l'armée des rois et tombes sur mon empire. Ça me plaît pas du tout ça. Alors, les défenseurs du grand dessin, ils ont pris la province là. Ça me plaît pas, ils commencent à avoir un site à rituel. Et un deuxième ici qui est à juste une monoprovince. Je veux dire, ce site à rituel, c'est clairement moi qui va pour m'en parer. Bon, sauf d'éternité, on va passer ça. Niveau 2, j'ai 5000 par tour quand même. Ouais, on va foutre le camp très vite, hein. L'idée, c'est d'avoir des armées pour couvrir les parties de mon empire. Ici, par Uax. Il ira par Uax. Il y aura une autre qui sera recrutée ici. Puis il y a 5 et derrière, tiendra les princes là, donc dans la chambre sanglante. Pour débarrasser ces putains de vampires. Prochain disponible, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quand ça marche. Bassin de divination, j'ai toujours pas cette merde. Tiens, on construit un avec soi alors. Culte du plaisir. Culte du plaisir qui galère à s'imposer. Je pense que culte du plaisir, bon, c'est mieux de s'arrêter à la province du Nord. La province où il est, je pense que c'est pas vraiment intéressant d'y aller. Mais il faut avoir une bonne alliance avec les elfes noirs qui sont ici.
ceux qui ont le blason rouge, virer les noyés. Et les rois les tombent plutôt que de s'emmerder avec les... Oh, 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 l'armée là qui va vers les portes écroulées. Qui est déjà moi. Oh, oh. Ça sent le rush sur mon armée. Sur ma flotte, enfin sur ma flotte. Heureusement que la flotte elle va s'éloigner. Hein. Ça va de la chambre sanglante. Je sais pas ce qu'ils veulent eux, mais... Même pas tellement. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ok. Je suis Renforce 2. C'est qui le premier? C'est qui le premier? Faut que je termine. Et c'est les Skaven qui sont là, les premiers. Ça craint. Parce que si c'est les Skaven les premiers... J'espère que eux, les défenseurs du grand dessin, pourront rester en tant que tampon un bon moment. On voit les impériaux et les vampires qui sont là, qui dévastent la côte est. Raser deux colonies. Ah, intéressant. Alors toi. On va rester là à l'abri quand même. Par contre, un problème ici avec le sanctuaire et tout, c'est qu'il n'y a pas vraiment de caserne. On peut recruter des lanciers, c'est tout. Il manque la thune. Masamundi, t'es niveau 20. Dégâts directs aux ennemis, parfait. Et voilà, donc j'espère que l'épisode là vous aura plu. Moi je vous retrouve un peu plus tard, quand on aura, comment dire, progressé un petit peu dans le jeu. Qu'on aura par exemple pété deux armées, ou que j'aurai par exemple décidé de faire une autre politique. Enfin, invasion des glandus en verre. Bon, moi je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut tout le monde, et pensez au pouce bleu.